avant d'aller chez Valouz Arène. On est où, Mathias? Effectivement, on est à la Braderie de Lille, un événement annuel incroyable qui a toujours lieu début septembre. On peut faire des affaires de fou. D'ailleurs, on a fait pas mal d'affaires Pokémon. On a fait pas mal. Mais vous verrez à la fin de la vidéo. On vous montrera de toute façon. Là, c'est le début du vlog. Et vous avez l'habitude, à chaque fois, il y a des outros spéciales. Effectivement, on a des surprises partout chez Requamaster. On commence à la Braderie. On finit chez Valouz. Et à la fin de la vidéo, les petites surprises de la Braderie. Plein de surprises. À tout de suite. Nous sommes à Rennes, une ville absolument incroyable, c'est la première fois que j'y vais, je suis très très heureux d'être là. Ce week-end, nous allons participer à un box break d'anthologie. Demain, nous ouvrons une display ex-gardien du pouvoir, la toute dernière série du bloc ex paru en France en 2007. Eh bien, nous ouvrons ça avec Valouz. Et en attendant, nous allons nous faire un petit restaurant dans cette atmosphère rennaise. Un soleil radieux, la Bretagne sait nous accueillir et ça c'est beau. Et la Bretagne, ça vous gagne. Ah, la Bretagne, ça m'a déjà gagné. Et alors là, les amis, nous sommes face à une attraction touristique locale. Il s'agit des palais bretons. Regardez. Donc nous sommes en France, effectivement, mais c'est une attraction complètement locale et qui pratique donc cet art. Alors c'est on pourrait appeler la pétanque de la Bretagne, hein. Mais c'est très sympathique, hein. Ah, c'est, il y a quelque chose. C'est un mi-cuit, 8 minutes, et là on est entouré de la crème de la crème de la chanson. Waouh, quelle soirée. Et salut à tous mes gourmands. Aujourd'hui on va se faire un petit opening de quad. À savoir EB8. Et oui, c'est bien le 11. Donc on commence avec un petit fond au milieu. C'est... Oh, oh bah on commence. C'est la meilleure AR en plus de cette série. C'est même une des meilleures AR. Alors, apparemment, c'est même, je pense, la meilleure AR. Non. Qui ? Non. J'ai encore un nouveau hit là-dedans. Alors, attention, regarde-moi ça. Oui, oui. Oh, des super cartes. Franchement, oh là là, il va que des grosses cartes. Oh ! Lizard Wall ! Dracofeu ! Lizard ! Voilà, nous venons donc de quitter notre cher Jerry, notre Homer Kun national, et nous nous dirigeons maintenant chez Valouz pour le fameux box break de la display Gardien du Pouvoir. On a hâte. Et là, c'est quoi le hit à aller chercher, à aller sortir? Ah, bah, on espère avoir Aquali, Voltali ou Pyroli Star, bien évidemment. Et on peut avoir les trois. Et au moins trois ex. Et une des trois meilleures ex, ce serait bien. Metalos, Dratak, Absol et compagnie. On a hâte. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les amis, on va passer une soirée de fou. Explique-nous pourquoi. Voilà, la display elle a été achetée chez MJN. Donc voilà, elle a été scellée chez eux. Voilà, donc aujourd'hui on va enlever le scellage parce que voilà, les scellages étaient craqués sur des displays, etc. Donc voilà, c'est une display qui est tout à fait legit. Il n'y a pas de souci sur ça. Sur Gardien du Pouvoir, on a effectivement une star tous les deux displays et trois ex par display normalement. Et sur une display normalement constituée. Donc là, 20 000 euros, ça vaut. Dernière scellée, c'est ça, c'est 20 000. Et c'est une dinguerie. Quand même. On voit parfois les prix de d'autres choses, le bloc ex, de toute façon, fait que monter. Du GDP, il n'y en a plus. C'est simple, c'est qu'en fait, Invest Collect n'en a plus. Là, c'est la fin, en fait. Voilà, ouais. En fait, les gars, quand on enlève, ça laisse une trace. En fait, les gars, on ne peut pas remettre. Ah, c'est oui. Plus possible de remettre, en fait. Les amis, voici la bête. J'en lance un petit, là, on commence par le Absol. Alors, un rappel que cette série, d'ailleurs, n'est pas sortie en japonais, hein. Ah bon? Et non, c'est pas Gardien du Pouvoir n'existait pas en japonais. Magnifique booster en tout cas, franchement, magnifique booster. Je te souhaite énormément de chance. Ah, j'ai hâte de voir moi les hits de ce soir. Hein. Oh, on veut voir une star quand même en vrai. Ah bah bien sûr. Minimum, c'est laquelle votre préférée? On en parlait. Moi c'est Pyroli. Moi c'est Voltali. Moi c'est Aquali. Non, arrête, non. Non, vraiment, c'est scripté. Vraiment, je te jure que c'est vrai, je préfère Aquali. Ok. Stade de Damien. Oh, Tilton de Kensugimori. Oh. Oh le ok, incroyable, qu'on pouvait trouver sur l'île Mirage en 3G, Kabuto de Kensugimori. J'ai les cartes qui sont là devant moi, je regarde l'écran. Hein. J'avoue, je vais peut-être profiter des cartes. Non, mais il y a trop de Sugimori dans cette série, c'est ouf. Waouh, le Galekid de Komiya. Aujourd'hui, c'est un peu ta revanche aussi. Hein. Ouais, bah sauf que là, c'est pas pour moi, mais j'ai jamais tiré de star. Ouais. De ma vie. Hein. Oh, déjà, on a une belle énergie reverse. Ok, ça, c'est pas mal. Déjà, ça, c'est pas mal. Les dresseurs, c'est compliqué à voir. C'est une rare reverse en plus, donc c'est très très bien. Et nous avons un magnéto. J'ai eu peur de la couleur jaune. Ouais. Je me suis dit c'est Voltali Star là. Je me suis dit pareil. Ça, allez, on passe sur un Galuking. C'est quand même énorme que pour la dernière série du bloc X, ils t'ont fait des stars de fou, genre les trois évolutions. Mais les stars en étaient disponibles déjà en japonais dans les tournois promo play. Hein. Ils étaient disponibles depuis longtemps. C'est juste qu'on les avait pas nous dans nos séries occidentales. Avant ça.
Hey, j'aurais dû lui mettre un micro comme ça, je te jure, il balance des infos à chaque fois. Tu me tues. Je te jure, parce qu'on apprend toujours des choses. Allez, j'ouvre ça, moi. Allez, c'est parti. Hop, le petit recyclage. Hop, les. Allez, là. On espère du lourd pour toi, mon polo. Le petit polichon, elles ont un truc hein, quand même, les vieilles cartes. Ouais. Bien sûr. Je trouve elles font. C'est, surtout le bloc X, ça fait plus adulte. Oui, c'est les ça. Premières. Et là, les Pokémon sont travaillés. Oh, le Goopix. Il est Mimi. Ok, petit Skelenox. Magnifio. Mais ouais, c'est ça, il va avoir une belle reverse. Oh, aïe. Encore un dresseur reverse. Suppression d'énergie, attention. Allez les gars, allez. Et allez. Oh, oh c'est joli. Magnifique. Et elle c'est tombe, joli. Et elle tombe très très rarement. Très très belle holo. C'est hein. très compliqué à faire vraiment tomber. GG à toi mon polo. Hop, tiens, je te laisse l'ouvrir. Allez, let's go. Vas-y, tiens, je bouge, allez. C'est parti. Toi, t'as l'habitude d'en ouvrir du coup? Ah ouais. Régulièrement? Bah en disant que j'en ai beaucoup ouvert dans ma jeunesse. À une époque. J'ai ouvert plusieurs displays, ça pour le coup j'ai bien l'habitude, mais ça reste toujours un bonheur d'ouvrir ça. Ta collection Quel préférée? Quel plaisir. C'est Force Cachée. Ma série préférée c'est Force Cachée, ouais. On trouve quoi dans Force Cachée? Alors on peut trouver Entei Raikou Suicune Star, on peut trouver Celebi X en secrète, la 117/115. On trouve le Tyranocif X, on trouve le Lugia X, bien évidemment. Évidemment. Mentali Noctali. Enfin, des cartes exceptionnelles. C'est la série où il y a le plus d'ex, hein, Force Cachée, clairement. C'est une série d'une homogénéité incroyable. C'est-à-dire que toutes les cartes sont belles dans Force Cachée. Les holos sont incroyables. Les rares, les uncos, les communes. C'est une réussite totale. Bravo à Pokémon pour ça. On commence avec ce pareil cool. Illustration de Komiya, les amis. Hein. Grosse dinguerie. Ce cher Tomokazu Komiya, le Tarsal de Midori Arada. Arada qui illustrait beaucoup de cartes à cette époque-là. Hein. Un petit peu moins maintenant, il faut le dire. On continue avec le Ammonita de Ken Sugimori. Un Ammonistar hein, qui existe dans cette série en rare, qui est plutôt très joli, illustré par Sugimori aussi. Le Machoke avec son coup de poing, très sympa, Sugimori. Très jolie illustration. Kaknea, Hajime Kusajima. On reconnaît tout de suite le style, de hein, toute façon, avec beaucoup de couleurs violettes un petit peu dans le fond. La suppression d'énergie qu'on avait eu en reverse hein, tout à l'heure. On continue. Oh, le Fogler de Ken Sugimori. Alors j'adore Fogler parce que c'est efficace. Ah ouais, c'est très efficace parce qu'avec l'aurore boréale qu'on peut voir dans le fond, ça me rappelle vraiment l'intro du film Deoxys contre Rayquaza. Tu sais, ça se passait justement dans la banquise et on pouvait voir des Obali, des Fogler et des Kaimors avec des aurores boréales en fond. J'allais on continue. Pareil. Ah, ben Obali, bah, tiens. En reverse. Allez. Grosse dinguerie, ça fait plaisir. En commune reverse. Enfin, une reverse Pokémon. Hein. Enfin, une reverse Pokémon. C'est allez. Plutôt cool. Et enfin, allez, on termine avec. Oh de Midori Arada. GG à toi. Félicitations. Très belle carte, franchement. Valouz, allez. La confiance. Allez, la confiance. Let's go, let's allez, frérot. C'est parti. Oh, le Dracos, on l'avait pas eu jusqu'à présent. C'est vrai qu'on l'avait pas eu. On avait eu Drabi. On avait eu Drabi, mais pas Midori Arada. Allez. Le Sharpedo. Est-ce que ça annonce peut-être le Dratak? Ah, bah ça annonce peut-être le Dratak. Le Lucio d'Arita. Le Paracool. Allez. Le petit Salamèche qui tombe. Ça fait peut-être un Dracos. Ça fait toujours plaisir. Pour David, les gars. Allez. On donne de la force pour son premier attention booster. Attention. Oh, oh Kabutops en holo reverse. La première holo reverse de la display. Et c'est l'une des plus belles holo reverse. Kabutops, elle est sublime. Est-ce qu'on a quelque chose derrière? Est-ce qu'on a quelque chose? Allez. Aïe. GG pour le gars, on a beaucoup plus de chance sur les reverse hein, de et c'est beaucoup mieux de taper une holo reverse, c'est magnifique, vraiment mais hein. beaucoup mieux. Ah ouais, holo reverse qu'une holo tout court. Une holo reverse, deux holo les gars, on se ferait celui-là. Allez, vas-y. Oh, j'adore ce que je vois. Très sympa. J'adore. Et bah Grégouze, j'espère que ton premier déjà on commence avec un Pokémon qu'on voit pas trop. On l'a pas vu encore. Non, il peut pas facile aussi, pas facile à avoir. OK, un petit Anorite. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a le Brazegali Holo Reverse aussi. Bah oui, Holo, Holo Reverse. Et c'est Fukuda qui illustre le Brazegali en plus. Hein. En plus. Que demande le peuple. Grenipio. Oh, ouais, on l'a pas eu en on l'a pas vu, ouais, c'est vrai. Ok, un Skelenox. Allez, on a déjà eu en reverse aujourd'hui le Skelenox. Et attention. Oh la troisième Holo. Troisième Holo de la display. Magnifique. Let's go, ça devait être de Ken Sugimori. Elle est incroyable en vrai. Elle est magnifique, très belle carte. Oh, la zone de combat, on n'a pas eu cette trainer, j'adore. Hein.
Exclusivité d'Emerald, ça, une carte incroyable, une zone incroyable. On n'avait pas dans Ruby Saphir, on l'a dans Emerald. C'est une dinguerie avec le reptile de combat, le dôme de combat, l'usine de combat. C'est la zone de fin, c'est ça? C'était magnifique, ouais, tout à fait. Et ça, on l'a que dans Emerald, parce que dans Ruby Saphir, on n'avait que la tour de combat. C'est pas là où on pouvait cloner des super bonbons? Oui, exactement. Ah, c'est Ah, j'étais un petit tricheur sur Pokémon, ouais, j'adore ça. C'est ça que je veux entendre. Il a fait le taf, il a bravo, fait le taf. Bravo, avec le glitch du PC. Ouais, bravo. Ça, j'avoue, c'était séisme, j'avoue, je sais pas. Ouais, c'était le plus difficile. Allez, les gars, Cacturne, très belle le encore Cacturne. Une fois. Intéral. Fossile Griffe, 40 PV. Oh, le Pussifeu d'Arita, magnifique. Ouh, on l'avait pas vu. Très très belle carte, franchement. Magnifique. J'en ai fait gagner pas mal au follow d'ailleurs, des Pussifeux comme ça. Hop. Un Stalgama. Attention. Non, encore. Oh, mon griffe en rare. La rare reverse, les gars. Incroyable. Elle est incroyable. On a eu le Sévi incroyable. Sublime, sublime, sublime. Mon griffe qui est sous-côté aussi. Aïe, 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 était rapide. Mais incroyable. On a eu une rare reverse qui est aussi. Le mangriffe est très bien. Incroyable. Désolé, attends mon slash. Il n'y a rien pour l'instant, tu vois. J'ai envie de te dire, on a fait que la moitié. Un petit Raichu. Hop. Oh, on n'était pas tombé encore sur un Metang. Ouais. Non. Non, pas sûr, non, non, pas sûr. Il y en a qui me demandaient la cote, les amis. Ouh. Moi, ce qu'on m'a proposé pour mon Rayquaza Star en PCA 10, c'est en gros entre 30 et 50. Voilà. Et si on te propose 60? 60 000 là tout de suite, non, non, une mallette comme ça. Je peux pas, je peux pas. 100, une mallette. Parti. On verra. Non, vraiment, t'as une mallette là ce soir? Non, non, non. 100 et. Ah, c'est ça toutes les mallettes qu'il y a sur le côté là en fait. Il y a eu la Master Ball qui est tombée. Bah, Rayquaza Star qui est ouais, la plus belle carte. Bah, c'est à partir de là que c'est devenu ma carte d'incarte préférée de ma collection, tu vois. C'est à partir du moment où. Ok, mais vibre un œuf! Mais c'est pour ça, je te jure, c'était incroyable cette fois. Attention! Oh! À 470 euros le booster! Oh là là! Là c'est une belle affaire, là allez, par contre là, les c'est gars, incroyable, là c'est ouf là. Hop, donc là K-Morse. Oh, on commence avec une petite Master Ball, ça fait plaisir ça. Très très belle. L'autre visuel. Ah oui, l'autre visuel effectivement, est-ce que c'est ça annonce Dratak X? C'est vrai qu'il y a deux visuels de Dracos. Et pourtant elles se ressemblent à fond. Salut Souka. Ok. Salut Souka. Le petit Lupio. Fossile Griffe. Ah, j'aurais pas la le Galekid qui Jacques. Dort sur eux. Sur la voie ferrée. Ouais, 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 sur la voie ferrée. Ouais, il se nourrit de fer, hein. Il se nourrit de métal, Galekid. Hein. Je l'attendais pas, cette anecdote, mais elle est magique. Ok, oh, l'énergie combat. L'énergie combat. L'énergie et attention, allez. Les amis, c'est maintenant. Oh, oh, Elle est magnifique. Elle est magnifique. 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 Et bah, la prochaine, c'est un Raichu, les gars. Allez, bla ou bla. À nous, à toi, allez mon frérot. Allez, c'est parti. Oh, on l'avait pas première encore. Première fois qu'on l'a. Première fois qu'on l'a. Le reptincelle. Et celle-là, si on l'a en reverse aussi, Ok. Allez. Oh, le petit salamèche. Oh, mais est-ce que ça va annoncer un Dracaufeu? Oui, MGN, c'est la société de Nasser et de. MGN, Mister Fuji. Mister Fuji, et de exactement. Nelf. Et de Nelf. Attention. Oh, en allez. Reverse. Allez, et nous avons derrière. Oh, oh non, premier Lex. Oh, let's go. Ah là 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 là. Eh ben GG à toi, mon frérot. Ça part de là, les amis, ça part de là. Suivant. Allez, c'est parti. Eh les gars, imaginez le scénario. Deuxième Lex. On fait trois exactiles et on fait des stars. On l'a dit. Bon, là c'est un booster cadeau, ça, moi, chier. Eh les gars, je l'avais dit, hein. Trois ex d'affilée. Bon, c'est improbable. Ah, on va voir, hein. Ouais. Bah, du coup, on serait sur la troisième ex, du coup, vu que la deuxième serait dans l'autre booster par régule encore. Ah, merci beaucoup, Fraze. Ah, bah oui, j'avoue. Merci infiniment, Fraze, merci beaucoup. Metang. Polichombre. Craquenois. Finalement, tu fais vite le tour quand même des Zilus, des Co. Ouais, il y avait beaucoup moins de cartes à l'époque dans les séries que maintenant. Oh, un petit tilton. Ça fait plaisir. Et attention. Oh, le Raichu du coup. Donc c'est celui-là les amis.
On te l'a dit en plus, on l'a dit les gars, la deuxième partie. C'est un skatepark le truc. C'est un skatepark tes cartes là mon rêve. Là mon rêve tes cartes c'est littéralement un skatepark. Ça gondole beaucoup là. Est-ce que si je fais ça dans ça, ce mec c'est vraiment un skatepark mec. Oui ça gondole mais t'inquiète. Après les gars on va pas se taper une cible. Par contre si Dobby tape la star. Allez mon bon. Pour 4 en plus. Et bloquer la porte au cas où. Le Oniglali. De quel sujet okay. Le style gamin, on est révolution. Allez. KTR qui fait des gros shows aussi, KTR. Il y a pas de Granny Pio, Galekid. Le petit Galekid qui mange les rails, du coup. Ah bah évidemment, hein. Il s'en nourrit. Ok, un petit match choc avec son petit point. Non, j'oublie pas. Ok, un petit Drabi. Pourquoi tu les mets tous comme ça? Bah je les empile pas, j'aime pas trop moi. Du coup, il enlève la souris maintenant. Il va le mettre devant tout. Et ouais, faut que j'aille. Et lui, il arrive. Moi, faut que j'aille chercher les cartes. Oh. Et j'en ai jamais vu de gradé de ça, moi, de Salamèche Rivière. Bon, allez, mec, attention, c'est le moment ou pas? Allez, c'est elle qui a tout faussé, ouais. C'est elle qui a fait le skatepark. Mais tu sais qu'en vrai, c'est encore mieux que des holos, ça, le Salamèche Rivière, ça. Mec, je vais devenir vraiment expert du bloc. Ça fait un an que t'avais plus ouvert pratiquement de. Ouais. Allez, c'est parti. Allez, les gars, on arrête de rigoler, les gars. Le Stade d'Aragon. Dernier membre du conseil 4. Hop là, le petit Métang. Comia. Tuteur seul, posé comme ça. Ouais, trop sympa sur sa petite manche. Allez, on a pas eu beaucoup d'idées. On a pas eu une moustache, une moustache. Parce que nous, normalement, quand on pioche des Pikachu, on fait des dessins dessus. On en a pas eu beaucoup en plus. Mais bon, sur le. Là, on va pas éviter. Petit peu cool. Et les gars, merci à vous tous, merci. On vous le petit Salamé. Merci pour le soutien en tout cas. Merci vraiment, merci à tous. Le petit Obali. Allez, qu'est-ce qu'on en reverse? De la Disney. Deuxième Holo Reverse. Après Kabutops, on a Holo Reverse, les amis. On aura une Holo et un Holo Reverse. Allez. On l'avait pas tapé, lui. Une nouvelle rare. Une nouvelle rare qu'on avait pas eu. On l'avait pas tapé. Allez, Raichu, du coup. Allez, Raichu. Allez, c'est parti. Bah, merci, les amis. Écoutez, c'est avec grand plaisir que je vous fais cette petite ouverture. Merci pour votre soutien, en tout cas, et merci pour vos commentaires. Ça me touche beaucoup. Vous êtes les meilleurs. Et let's go! Pour ce booster illustration Raichu. Allez, franchement, j'espère vous sortir quelque chose de bien là. Là, j'espère vous sortir quelque chose de bien. J'ai eu que des rares jusqu'à présent. Allez, Mathis, vas-tu sortir une star en 2023? C'est le moment. C'est allez, c'est maintenant. C'est maintenant. Ouais. La dernière star que j'ai sortie, ça devait être en 2016. J'en ai plus jamais ressorti depuis. 2016? Ouais, je pense. Hein. C'est quoi? La toute dernière, c'était Metalos que j'ai sorti sur du Delta. Le Tarsal. Sur du Delta. T'as tiré combien de stars dans ta vie? Ah, pas mal, hein. Après, il faut pas oublier que petite dizaine. Ce Metalos reste PSA 8. Non, il est pour le moment en cours de gradation. Ah, du coup. Oui, une nouvelle fois. Ammonite. Le Machoke. Allez, les gars. Donc, très belle illustration de Ken Sugimori, toujours. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, hein, Ken Sugimori, qui est un illustrateur qui est là depuis les tout débuts de Pokémon, il a travaillé avec Satoshi Tajiri dès les premières années. Pokémon ne serait pas ce que la franchise est aujourd'hui si Ken Sugimori n'avait pas été présent. Il a fait les artworks officiels de plein de Pokémon de la première génération. Et c'est pour ça qu'on a souvent les mêmes artworks sur les cartes que celles qu'on pouvait retrouver sur le Pokédex ou sur le jeu lorsque on combattait le Pokémon sauvage par exemple. Donc c'est Ken Sugimori qui s'occupe des illustrations et c'est quelqu'un d'historique. Il est là depuis les tout débuts avec Tajiri. Merci. Le Cacnea de Kusajima. Merci beaucoup encore une fois. Avec grand plaisir. Le petit Mediena, Midori Arada. Très 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 belle illustration franchement. Anorite. Ah, j'adore ce fossile. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, allez mon polo, Je trouve très sympa. Oh, les conseils de Pierre, première fois qu'on l'a. Hein. Donc Pierre Rochard, Steven Stone Pierre en anglais. Rochard. Pierre Rochard, Steven Stone. C'est le maître de la ligue de la troisième génération et c'est le fils du directeur de la Devon. La Devon qui est à Mérouville, bien sûr. Et c'est cette société qui a mis en place le Pokénav qu'on vous donne en troisième génération pour en fait faire toute votre aventure. Il y a dessus la carte, vous pouvez appeler vos amis via cet appareil dans le jeu, bien sûr. Donc voilà, c'est vraiment un très très bel objet. Le bon vieux Pierrot, quoi. Oh, Scott en reverse. Le fameux Scott. Scott en reverse. Qui fait vraiment elle tombe assez peu souvent, donc ça fait vraiment plaisir. Scott en reverse. Allez, notre polo. Allez, notre polo. Oh, allez, polo. Allez, ça c'est mérité. Il y a un truc. Ça c'est mérité. Le gratin. 2, 1. Oh, bravo, polo. C'est mérité, polo. C'est mérité, mon polo. Félicitations.
Fiora, elle est magnifique. Mon polo. Kaorin X. Allez, ça, ça fait plaisir. Oh, ça, c'est beau, ça. Et c'est toi qui l'as adoré, non, Kaorin magnifique. X. J'adore Kaorin X qui lance ses attaques ultra laser. Ça, c'est beau, c'est magnifique. Incroyable carte. Allez, les gars. Ah, Submarine, ça va, mon Pandora Case? Ah, c'est, ouais, c'est Romain, ouais. Il trouve des stars que dans les Pokébox. C'est vrai, pour la petite anecdote, quand il est venu chez moi, Romain, il a ouvert une Pokébox qu'il y avait chez moi que j'avais pas ouvert depuis longtemps, et il a trouvé un Aqualistar dedans. Ah. Oh. Qui est revenu PSA 8. Qui est revenu PSA 9. PSA 9. Et je l'avais oublié complètement. Mais les gars, c'est un ancien temps, hein, des Pokébox, ouais, ouais. On ouvre du GDP dedans. C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est... Je savais même pas qu'il y avait des Pokébox à cette époque. Non, non, quand je dis Pokébox, c'est une Pokébox où j'avais toutes mes cartes que j'avais mises dedans. Genre, il a ouvert une Pokébox, il a stocké des cartes. Genre, j'avais stocké des cartes dedans, il a ouvert et il a retrouvé un Aqualistar à moi que j'avais paumé pendant 2 ans. Ah ouais, j'avais cru. Ah ouais, d'accord. Incroyable, la bonne surprise. C'est beau. Ouais, très bonne surprise. Allez, allez, c'est maintenant. Allez, les gars, c'est maintenant. Goopix. Carvana, Terral, Cacnea, le petit Machoc. Oh, très joli, hein. Le Vigoroth en river. Vigoroth en river. Très joli, attention. Oh là là, c'est rouge. C'est rouge, c'est holo. C'est pas Pyroli. Oh non, non, c'est un Maldonado. Les gars, et je sais pas ce que vous en pensez. Ça s'est réveillé là. Ça s'est réveillé. Et je sais pas. Allez, c'est bien là. C'est très très bien. Allez, le Raichu. Oh, paiement réussi, c'est parti. Félicitations. Allez, Pokéstoria. Let's go, Pokéstoria. Bon courage, bonne chance à toi, Pokéstoria. Allez, Val. Allez, on y croit. Cette odeur, ça va être la star. Ça sent le vieux. Ça sent le chien. Ouais. Et on commence avec une Super Bowl. Super Bowl, meilleur taux que la Pokéball, x 1,5. Allez les gars. Le petit Galifeu. Datsu Konishida. Manipio. Le Galukid qui mange. La voie ferrée. Oh, la voie ferrée, voilà. Machoc. Le Drabi. Allez. Oh, c'est les Nox de Sugimori. Ah, oh, Damien. Le stade de Damien. Qui est Damien? Premier membre du Conseil 4, type Ténèbres. Et attention. Oh! Et c'est, ah, c'est allez, et c'est la première fois que dans ma main. Les gars, c'est ma première star de ma vie. Mais j'ai toujours pas. Alors, ma display aura une star, mais j'ai toujours pas non plus de star. C'est ça. Ah, ça fait plaisir. Ah, oh, j'ai kiffé. Et c'est la et pour vraiment, c'est la première fois que j'ai une star en mint dans que sorti de booster dans ma main. Et franchement, c'est. Oh, let's go, là. Et le Voltali, et le Voltali. Je l'avais dit au début, Voltali, les gars. Sublime. Franchement, elle est incroyable. Hein. Allez, let's go. Les gars, les gars, on a plus de probabilité de taper une clim, mais je sais pas pourquoi je. Non, je crois. Il mais c'est la vibe. L'ex. Les stars qui est pour moi la rareté la plus réussie. Tout à fait. Au pu. Ça gonde là. Ça se bat un petit peu avec les brillantes. Les brillantes sont très belles, mais. J'ai pas cherché une star. Allez, on va tirer. Allez, non, une star. Allez, stade de Spectra. Stade de Spectra. Allez, Charmina. Allez, on y les croit. Gars, est-ce qu'on vit quelque chose d'historique? Mais pourquoi je le sens? Allez, le Terral de Midori Arada. Allez. Fossil Griffe. Mec, j'ai plus de stress pour ton booster que pour le mien. Bah ouais, parce que maintenant tu veux une deuxième star. Ouais, en même temps, toi, c'est Dobby qui te l'a offert aussi, normal. Ah, c'est vrai, Dobby est trop gentil. Non, toujours pas. Oh, oh putain, c'est une rare reverse. Rare reverse, ouais. C'est une rare reverse. Attention. Allez, Nolo. Réalité qui pique. J'ai. C'est peut-être l'absol suivant du coup en vrai. C'est ça. Le retour à la réalité. Il y a encore mal. Je vais ouvrir le prochain. Je vais avoir envie d'ouvrir le prochain absol. Allez, Dobby, viens. Allez, Valeuse, on veut ouvrir. Paiement régularisé. Allez, Dobby. Ah mince, parce que s'il n'était pas régul, le paiement n'aurait pu garder tout l'achat. C'est dommage. Ok. Allez, vas-y, go. Allez. Le Vigoroth. Eh, si je te régale, mon gars. Ok. Oh, imaginez pour l'histoire. Elle est magnifique. Ça c'est beau. Elle est belle. Elle est vraiment belle. Hein. Ok. Oh allez. Donc il a tapé Reptincelle okay. Ensuite Poussifeu. Tilton. Allez. Ok. Magnéti. Il peut tout nous faire en vrai. Oh, le petit Kabuto. Kabuto. Petit Balbuto. Incroyable de merde, ouais. Bon, hey, ta semaine, elle finit bien. Ah,
Attendez. Les gars, à 436 euros. Hein. Et c'est un truc de fou. À des prix. C'est un display incroyable. Là, le display, elle est ouf. Vous vous rendez compte, oh, je suis choqué. L'Absol. Allez, l'Absol. Illustration Absol, les amis. Allez, moi, j'avoue que là, je suis rincé. Hein. Incroyable. Hein. Oh là là, mais quelle ouverture de fou. Et il en reste plus que deux après. On a un beau Pikachu là. Oh là 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 là. Mais quelle dinguerie. On commence en beauté déjà. Quelle dinguerie. Une moustache. J'ai une moustache. Une moustache. Un slip. La dinguerie. Oh là là. Allez, que nous réserve ce booster. Le Pikachu de Kagemaru Himeno. Oh là, quelle belle illustration, franchement. On reconnaît Himeno. Il y a fait quoi d'autre comme illustration connue? Alors, Himeno, c'est une femme. Okay. Et elle a illustré énormément de belles cartes dans le bloc X. On la reconnaît surtout, justement, avec ses rayons lumineux, comme ça, qui descendent sur le Pokémon. Les couleurs aussi, les feuilles, le décor automnal, les forêts, etc. Elle aime beaucoup bien dessiner les fonds, tu vois, avec beaucoup de précision. Et elle est incroyable. Elle fait des holos magnifiques dans le bloc X. Le Balbuto de Harita, avec le coucher de soleil en fond. Allez, mon Guigui. Incroyable. D'avoir mal à la main, c'est à colorier toutes les cartes. au bout d'un moment, ouais. Hein. Le Lilia de Kusajima. Et tu t'entendrais super bien avec Homer. Ouais. Le Stalgamin. Fossile Racine cette fois-ci pour Lilia. J'en reviens pas qu'on a sorti une star. Mec, j'en reviens pas non plus. Je suis sous adrénaline. Échange d'énergie. Vérité, je suis sous adrénaline, les gars. Ouais. Alors que c'est même pas mes cartes. Demain, il va rechercher après une display. Je te jure. Non. Le Macho Pelé. Elle a regagné des points. Non, moi, c'est pas pour moi. Les boosters, j'ai des points. Oh, Mistibule en rare reverse. Allez, vraiment très bien, Guigui. La 17ème du set. Allez, bien joué, Mistibule. Et enfin. Oh lolo lolo! Très joli! J'ai cru alors, très joli! Anecdote, je l'ai acheté en PSA 10 il y a une semaine. Le style elle crayonné est, comme elle ça, elle c'est magnifique la carte, hein. Elle est magnifique! Elle est trop. Bah, c'est la plus belle rare en vrai, je pense. Ouais, je pense que c'est au-dessus du Pichu, hein, ouais. Clairement. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Encore un absolu. Allez, les gars. Sans le. Est-ce qu'il sent le vieux? Moi tout à l'heure, il sentait le vieux. L'air est enfermé depuis 16 ans là-dedans. Les gars, je sais pas, mais. Moi, elle m'a l'air un peu de gondoler quand même. Ah, tout à l'heure, c'était. Après, bon. Et on commence par un Reptincelle. Oh. Allez, un Kalia. Attends, monte un peu plus. Pardon, excusez-moi. Ça gondole vraiment à ce point-là? Non, ouais. C'est parce que t'as mis un coup de chaise. Bah, dis pardon. Ça va, la chaise n'a rien. C'est bon, on n'a pas abîmé la chaise, c'est bien. Parce que ça m'aurait coûté 1000 balles de plus, hein, sinon j'aurais dû rembourser la chaise. Je sais que moins 5000, c'est compliqué. Hein. Ouais. Allez, les gars, allez, on rigole, mais Dogpit, merci pour ta première participation. Merci à Dogpit, ouais. Merci à toi, je pense que là on a la river. On va sortir la deuxième star de la display. Et on a une énergie, et bien on aura fait. On aura combat, fait combat, feu. Ouais, on va sortir une quatrième ex. Attention. Oh. Et la display est magnifique. Vraiment magnifique. Incroyable. Ah, vraiment bien. GG à toi, Doc. Et très belle holo. Illustration. Très belle holo sur Altaria. Vraiment, GG à toi, mon Doc Pete. Ça me fait plaisir. Bravo. Comment ça? On passe aux choses sérieuses. Bon, allez, les amis, le dernier. Les gars, c'est le dernier. Je m'offre le luxe d'ouvrir le dernier, les amis. Mathias qui ouvre CP. Ok. Non. Le Tilton. Oh, c'est le dernier, les gars. C'est le dernier. Oh, là, profitez bien, les gars. Profitez bien de toutes ces illustrations. C'est le tout dernier booster de la soirée. Allez. Le Krak-Noi. Vous n'en verrez pas forcément beaucoup. Ah, ça reviendra pas tout de suite. Lilia de Himeno. De Hajime Kusajima, pardon. Le Matchhopper de Sugimori. Je me disais bien que c'était pas Himeno, le Matchhopper. Ah, peut-être un Macogneur. L'énergie cyclone qu'on a eu pas eu tant que fois. On l'a eu une fois, il me semble, avant ça. Allez. Et là, on a l'énergie cyclone. Ah, alors on a encore une belle reverse. Une belle reverse. Et puis alors, les gars, pourquoi pour vous ça c'est une belle reverse? Parce que moi quand j'ai ça, je suis dégoûté.
Bah parce que ça tombait pas si souvent que ça, et mine de rien... ça tombe quand même relativement souvent. Hein. Bah, alors, ah ouais, c'est vrai que là on en a eu pas mal, mais bon, mine de rien, comme tu dois collectionner tous les types, c'est pas évident de tous les avoir. Ouais. Allez, et enfin, toute dernière carte de la display, la toute dernière. Attention, il s'agira de... Ouais, deux Voltalistar, ça aurait été un peu trop. Mais j'aurais aimé choper une dernière holo, désolé. Bon, bah c'est félicitations. Félicitations. C'était une display de dingue, mine de rien. Et mine de rien, on n'en parle pas assez, mais c'est vrai qu'on a commencé. C'est, ouais, on stressait, on n'était pas. Ah, ça partait mal. Et parce ça a tellement bien fini. C'est indépendant de notre volonté aussi. Donc c'est la magie. C'est la magie. Et quand tu vois la fin, franchement, c'est incroyable. Fin de tournage, c'était fou. Ouais, bon, c'était incroyable. Ouais. Les amis, n'hésitez pas à les follow tous ces messieurs. Mais voilà, franchement, c'était super, les gars. On se refera un de ces quatre. Oh, avec grand plaisir. Moi, j'ai kiffé. Hein. C'était trop bien. Ouais. Bon, des gros bisous, tout le monde. Merci à vous. Allez, merci à vous. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. On avait promis qu'on allait vous montrer ce qu'on a acheté pour la braderie avant de conclure la vidéo. Effectivement, à la braderie, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis acheté une petite version Emerald qui est dans un état incroyable. Tout est complet à l'intérieur. La version est là, bien évidemment, mais il y a aussi tous les manuels de jeu. Tout est présent. Donc, ça me fait plaisir de rajouter une petite version Emerald à ma collection à nouveau. On n'en a jamais assez des versions Emerald. Ah ouais, c'est sûr. Vas-y, montre le bac. Donc, c'est un pur plaisir. On va revoir le bac. Voilà. Oh, elle est incroyable. On lui a eu un bon prix. Hein, ouais, très bon prix, franchement. Donc, je suis très satisfait de cet achat. On vous le montrera en plus de détails sur un live, si vous voulez. On le déballera pour vous montrer. Effectivement. Salut à tous. À la prochaine. Ciao tout le monde.